Surtout sur les performances de Kylian Mbappé. On avait dit hier qu'on allait scruter le Parisien. Bah, on n'a pas été déçus, Juju. Oui, il a marqué son 17e et 18e but en Ligue 1 déjà en 16 matchs, Kylian Mbappé. Il a retrouvé le sourire. Alors, était-ce une soirée parfaite pour Kylian Mbappé? Top chrono. Bah, moi, je pense. Enfin, en plus, surtout quand tu es Kylian Mbappé, a priori, oui, c'est son anniversaire hier. Il a fêté ses 25 ans. Il a vu son frérot qui est rentré en toute fin de match, Ethan. Il est... à la une de l'équipe ce matin, moi je l'imagine, le Kylian ce matin, il prend le métro, bam, il voit le kiosque. C'est une soirée parfaite. On a tous l'image là. Non, mais évidemment, c'est vrai qu'il y avait en plus quelques polémiques dernièrement. En fait, on a l'impression que tout s'est passé pour qu'il passe de bonnes fêtes, quoi. C'est-à-dire il fait un record derrière... aussi. C'est ça, un record. 18 buts avant la trêve, c'est la première fois. Exactement. Comme Cavani aussi, je crois, au Parc des Princes. Il y a une stat comme ça qui est tombée. C'est 17 buts. Exactement. 110 buts au Parc des Princes comme Cavani. Mais effectivement, moi, ce que je trouve fort et qui fait que c'est une soirée parfaite, c'est que voilà, on avait vu, il y avait eu 2-1 justement les jours avant sur ses relations avec Luis Enrique et tout ça, sur le fait qu'il était un petit peu moins joyeux. Et là, en fait, on a l'impression que il a tout réglé. Il a tout réglé avant de partir en vacances et que finalement, il y a aucune polémique qui va accompagner. Enfin bon, on sait jamais, mais. Alors, qui va accompagner Kylian Mbappé pendant les fêtes. Quoi. Est-ce que quelqu'un veut amener un petit grain de sel à cette soirée parfaite? Je ne sais pas, la première mi-temps, par exemple. Exactement, un petit peu. Après, je disais hier qu'il suffisait qu'il marque un but exceptionnel pour qu'il retrouve le sourire, parce que c'est juste qu'il n'était pas bon et qu'il n'y avait pas d'adversité, d'animosité avec son coach. Et ça a été la preuve. Le but qu'il met, le premier, mais il est complètement dingue parce que le ballon tourne dans un sens qui est pas normal pour une frappe. Non, mais c'est vrai, parce qu'il tourne dans le sens où le ballon retombe, il va sous la barre, il est parfait et directement il célèbre. Après, je m'attendais pas à ce qu'il dribble toute l'équipe et qu'il fasse un match exceptionnel, mais c'est vrai que sa première mi-temps a été compliquée, mais je pense toujours qu'il est dans une forme d'évolution de son poste, de son jeu, de son rôle à l'intérieur du PSG. Et hier, il l'a bien prouvé. Mais pour moi, c'est pas parfait parce que sa première mi-temps était un peu handicapante. C'est à l'image du PSG. C'est vrai qu'en termes de production offensive en première période, c'était assez désertique pour les Parisiens. Seulement, trois tirs pour les Parisiens, un seul cadré, pas de grosse occasion à se mettre sous la dent. En seconde période, c'est bien mieux. Trois grosses occasions, 10 tirs, 4 cadrés, beaucoup plus de ballons touchés dans la surface de réparation. Et peut-être que ça s'explique aussi par un changement tactique. Oh, au début du match, au coup d'envoi, regarde, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est positionné en numéro 9, avec Kolo Muani à droite, Barcola à gauche. Après la pause, Kylian Mbappé, il est à côté de Randal Kolo Muani et le jeu parisien a pu s'installer plus correctement. Lui, il retrouve un petit peu ce demi-espace côté gauche et on l'a vu sur le but. Il se situe à cet endroit du terrain et puis ça fait. En première mi-temps, ça l'a pas empêché d'aller sur ce côté gauche aussi. Je vois pas pourquoi. Il est moins efficace. Il a été moins efficace. L'animation quand même aussi, ou même quand Gigny était beaucoup mieux aussi. C'est normal. C'est de l'aspect général, mais après moi, tu t'adaptes après à l'équipe que tu as en face. Après moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut pas le placer en tant que numéro 9 de toute façon. Pour moi, il est bien meilleur quand il part de son côté. Il a besoin d'espace. C'est pas un point de fixation, etc. Il lui faut cette liberté, cet espace, et il peut venir dans l'axe, etc. Même quand il est sur le côté. Moi, pour moi, sa meilleure position, c'est pas. Est-ce que le fait de jouer attaquant, il peut pas le faire quand même en jouant attaquant? Ouais, mais un 9, il t'assure quand même. Pour moi, c'est. Centraux, etc. Non, mais un neuf, un vrai neuf qui pèse, soit comme Giroud par exemple, un point de fixation. Oui, mais justement, c'est ce que je te dis. Mais c'est pas parce qu'il joue là qu'en fait il est obligé de faire. Oui, mais là, t'as pas de neuf quand il joue Kolo Muani. T'as pas besoin. Bah, si, pour moi, t'as besoin aujourd'hui, le PSG serait meilleur. Et Mbappé est meilleur quand il tourne autour d'un pur neuf. Et on le voit en équipe de France aussi, c'est pour ça qu'il aime bien jouer pas loin de Giroud. Moi, je le trouve fort en tout cas. Dans une attaque, par exemple, à deux, tu pourrais le faire à condition d'avoir un vrai neuf. Quand il dribble deux joueurs et qu'il envoie des frappes en pleine lucarne, il n'a pas besoin d'un neuf. Oui, mais pour ça, il lui faut de l'espace et il est mieux sur le côté pour le faire. Ça. Mathieu de Séville, on t'a pas encore entendu. Ouais, non, mais quand il arrive, il a juste besoin de marquer. C'est son truc. Lui, qu'importe où il est, là, on sent qu'il a marqué autre que des pénaltys. Et tout de suite, ça se libère. Il est souriant. Et on a bien vu que sur ce match-là, il a cherché absolument à marquer. Il a tiré quand il fallait pas, mais on voit son objectif de la soirée, c'était de marquer, de retrouver un petit peu de joie. On voit bien que qu'importe les matchs, même si dans le jeu c'était pas terrible, hein, mais voilà, il marque et tout de suite. On le sent avec un fardeau un peu moins sur les épaules, un peu plus léger. C'est vraiment souriant. Le fait d'avoir marqué, mais pas sur un péno. Ouais, exactement. Un vrai but dans le jeu. Il était sur des pénaux et c'est toujours un peu. On sent qu'il cherche autre chose. Là, voilà, il est sur un super but. Ça va lui,
C'est la, pour lui, c'est la soirée vraiment parfaite, c'est nickel. En plus, il a joué avec son petit frère. Bref. Et c'est vrai qu'en termes de stats, c'est assez fou. Il a mis 18 buts en 16 matchs de Ligue 1. C'est un triplé, 5 doublés déjà, 2 passes décisives pour Kylian Mbappé. Et on dit qu'il est moins bien dans le jeu. En termes d'efficacité, c'est assez dingue. Tu as commencé à évoquer aussi, Mathieu, le petit événement, son frère Ethan Mbappé, qui a débuté pour la, enfin, qui a fait ses premières minutes en tant que professionnel à 16 ans, 11 mois et 22 jours. Voilà, la famille Mbappé réunie sur le terrain. Souvenez-vous, en 2017, quand Kylian a été présenté à la presse, regardez à quoi il ressemblait déjà, Ethan. Donc c'est assez fou de se dire que tous les deux, maintenant, ils jouent pour le même club. Est-ce que, je vais apporter un petit bémol, est-ce qu'on n'en fait pas un poil trop avec Ethan Mbappé qui est à 16 ans, qui fait déjà la une du journal, dont tout le monde parle de lui aujourd'hui? Si je peux me permettre, je ne pense pas que Luis Enrique fasse de la politique et qu'il fasse jouer son petit frère parce que Kylian Mbappé est titulaire et que c'est quelqu'un d'important dans le club. Il a plutôt tendance à être très juste, pas politique du tout. Et enfin, moi, il est rentré, il n'a pas fait tâche, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas Warren Zaïre Emery. Mais bon, s'il le fait rentrer, c'est qu'il pense qu'il peut apporter aussi quelque chose. Et il s'entraînerait pas avec les pros pour faire plaisir. Enfin, à un moment donné, si t'as un frère qui a une pipe, non, mais... tu peux l'emmener dans tous les clubs du monde. Si le coach, encore plus Luis Enrique, en tant que coach, le prend, c'est qu'il y a une raison aussi. Non, mais moi, je peux comprendre ce que tu dis, France, parce qu'il peut y avoir une overdose un peu de tout ce qu'on a sur Mbappé. Mais après, pour le coup, là, déjà, on est sur quelque chose assez nouveau finalement pour Mbappé. Je trouve que ça rend même encore plus sympathique là, toute la séquence à la fin du match où on voit qu'il chambre son frère. Je trouve que ça rend le personnage encore plus extraordinaire. Je sais pas, enfin il a son frère de 16 ans qui rentre sur le terrain, les images des parents dans les tribunes. Enfin, en fait, le mec, sa vie, c'est une série Netflix. En fait. Déjà, c'est clair. À Mbappé. Donc, ils ont les moyens aussi. Non, mais tu te rends compte, en fait, il a que 25 ans. T'as l'impression que tu peux déjà écrire 3 tomes de biographie quoi, sur Mbappé. Non. Et il arrive à résister à ça. Et justement, même dans des moments où on a l'impression qu'il est un peu dans le creux, et ben à chaque fois réussir à répondre, et comme le disait Julien, après, c'est la mec, Ligue il est déjà à 18 buts en fait. On sait qu'il sera attendu sur la Ligue des Champions. Évidemment. On sait à chaque fois, les gens disent ok, il a remarqué encore un doublé contre Metz. Et que Metz. Mais ce qu'on veut vraiment, parce que c'est une superstar, là on parle pas d'un joueur moyen, là on parle des joueurs qui sont le top, c'est qu'ils doivent mener leur équipe, ils doivent être décisifs sur les moments clés. Ils doivent être, ouais, non mais sur les, on a eu du Messi et du Cristiano pendant des années. Ils étaient clutch sur ces moments-là. Exactement. À chaque fois sur les quarts, les demi. Mais ouais, et nous, c'est ce qu'on lui demande. Pas des gens à se cacher quand même. C'est juste ce qu'on lui demande. C'est à un moment donné faire la différence sur ses limites. Ouais. Porter l'équipe et parce que c'est son niveau en fait qu'il attend. Il n'est pas prédestiné à être un bon joueur de Ligue 1. Il est prédestiné à être dans l'histoire. Et dans l'histoire, c'est ce qu'on veut. C'est bien sûr, mais ça. Là, dans les quelques mois. Tu vas pas lui demander au mois de décembre. Et c'est ça. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il lui a reproché un peu sur ce début de saison. C'est sa phase de groupe de Ligue des Champions où on l'a pas vu à son top niveau parce que c'est là qu'on l'attend et c'est peut-être pour ça que le PSG a failli se faire éliminer. Hein. Ça tenait à pas grand-chose au final. Parce que d'habitude, en tout cas, en phase de poule, il nous a habitués à faire très mal. Et ouais, ne serait-ce que contre Dortmund. Exactement. C'est pas lui qui a été décisif. Après, on est sur une année quand même de transition, mine de rien, au PSG. Entre tout ce qui est parti, ce qui est arrivé. C'est lui qui a voulu aussi de ça. Tu peux pas changer comme ça en 6 mois et avoir une équipe complètement parfaite. Tu parles collectivement, mais là, je parle individuellement. À Dortmund, il les a, les occasions, tu vois. C'est là où il doit encore être. Il était dans son mauvais passage. Dortmund, c'est un match pour lui, normalement, avec les Espagnols. C'est un match où il doit mettre un doublé et faire très mal. Exactement. De la batterie, 0%. Est-ce qu'on peut classer Kylian Mbappé au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si on peut classer Kylian Mbappé sur la même table que Messi et Cristiano Ronaldo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Kylian Mbappé, franchement, ses stats sont hors norme. Le mec a 18 buts en 16 matchs. 18 buts en 16 matchs, ça fait environ 1,13 buts marqués par match. 1,13 buts par match. C'est incroyable. C'est incroyable. D'où la question. Est-ce qu'il peut être sur la même table que Messi et Cristiano Ronaldo? Kylian Mbappé, les amis, lorsqu'il est arrivé au PSG, il est arrivé en 2017. Et lorsqu'il arrive en 2017, personnellement, moi, je ne le vois pas être le joueur qu'il est actuellement. Parce que moi, je pense que c'est un joueur qui a tellement excellé. Il a trop excellé. Du coup, donc, lorsqu'il arrive,
après le transfert de Neymar, parce que c'est Neymar qui est d'abord arrivé au PSG pour 222 millions d'euros. Neymar arrive comme la tête de gondole, celui qui va porter le PSG, celui qui va amener le PSG à la victoire finale de la Ligue des Champions. Sauf que Neymar, les amis, il fait des bons matchs, mais lorsque le PSG arrive en 8e de finale, 4e de finale, Neymar, généralement, il est blessé. Donc, là où on attend le plus, il ne répond pas. Il est absent. Du coup, tu as un client Mbappé Dere qui pousse, qui excelle. Ça oblige le PSG de changer sa philosophie, de changer son projet, de baser plutôt son projet sur Kylian Mbappé. D'où Kylian Mbappé commence à déclasser Neymar petit à petit dans le cœur des supporters, mais aussi aux yeux des dirigeants. Kylian Mbappé commence donc à déclasser petit à petit Neymar au point où il devient vraiment le patron du PSG. Il devient le patron du PSG. Et peut-être c'est ça qui a provoqué le départ de Neymar, parce que Neymar a jugé qu'il n'était plus peut-être utile au PSG, etc. Bref, Neymar est parti en Arabie Saoudite. Kylian Mbappé a donc pris le lead. Il a pris le lead. Il a pris vraiment le pouvoir au PSG. Lorsque tu regardes ses stats, c'est vraiment ahurissant. C'est pour ça qu'on se pose la question. Est-ce qu'il peut manger sur la même table que Messi et Cristiano Ronaldo? Moi, je pense que non. Pourquoi je pense que non? Parce que Messi et Cristiano Ronaldo, ce sont des joueurs hors normes. Pourquoi je le dis? CR7, c'est 5 Ligues des Champions avec 5 Ballons d'Or, les amis. 5 Ligues des Champions avec 5 Ballons d'Or. Messi, c'est 3 Ligues des Champions avec 8 Ballons d'Or. 3 LDC avec 8 Ballons d'Or. Donc, si tu veux comparer ces mecs-là par rapport à Kylian, c'est le jour et la nuit. Kylian Mbappé n'a ni de LDC, ni de Ballon d'Or. Certes, en termes de stats, c'est stratosphérique. Ça, il n'y a rien à dire. C'est stratosphérique. Mais lorsque tu pousses un peu plus loin, en termes de palmarès collectif, en dehors de sa Coupe du Monde, je trouve que son palmarès ne pèse pas autant que celui de Messi ou Cristiano Ronaldo. La Ligue, les amis, je suis désolé, c'est un très bon championnat, mais ça ne pèse pas aux yeux des gens que peut l'être, par exemple, la Premier League. La Liga a beaucoup plus d'importance aux yeux des gens que la Ligue 1. Moi, je pense qu'en dehors de sa Coupe du Monde remportée, son palmarès ne pèse pas vraiment aux yeux des gens. Ça ne pèse pas. C'est ça qui lui fait défaut. Donc, moi, je pense que, les amis, Kylian Mbappé, c'est un très bon joueur, c'est un grand joueur même. C'est un grand joueur, mais le mettre à la table de Messi et Cristiano Ronaldo, je trouve ça un peu abusé. Parce que ces deux mecs-là, Messi et CR7, ils sont en nombre. On parle des mecs qui ont remporté 5 Ligues des Champions pour Cristiano Ronaldo, 5 Ballons d'Or pour CR7 et 3 Ligues des Champions pour Messi et 8 Ballons d'Or. 8 Ballons d'Or, les gars. 8 Ballons d'Or. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Je ne sais pas si on s'en rend compte, les gars. Moi, je pense même que Kylian Mbappé n'est pas au-dessus d'un Zidane. Il n'est pas vraiment au-dessus d'un Zidane, selon moi. Hein. Après, c'est mon avis. Moi, je pense que Zidane a fait des choses incroyables. Il a prouvé à la Juventus, au Real de Madrid, partout là où il est passé, il a prouvé. Donc, Kylian Mbappé, il est en nom, mais le maître sur la même table que Messi et Cristiano Ronaldo, pour moi, ce n'est pas juste. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu le places sur la même table que Messi et Cristiano Ronaldo? Dis-moi tout, si ce n'est pas encore fini, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.